Ça a l'air trop bon. Mais grave. C'est cuisiné, toi? Je me débrouille. Ouais. Viens, on est toujours trop en vie. C'est bon, vous savez quoi? Vous pouvez regarder votre magazine, mais on n'y répond pas. Ça me saoule, votre truc. Vous savez que je n'aimais pas ça. Allez. Toi, t'as voulu commencer? Nous, on y va. Allez, viens, parce que ça va me saouler, hein. N'oublie pas le volet, s'il te plaît. Ok. T'as pas entendu quelque chose? Non, t'es folle. N'importe quoi, toi. Vas-y, descends. Vas-y, passe avant toi. And the pain attached to them. Sometimes I wonder why this is happening. It's like nothing I can do would distract me when I think of how I shot myself in the back again. Cause from the infinite words I can say, I put all the pain you gave to me on display, but didn't realize, instead of setting it free, I took what I hated and made it a part of me. Léa, ça va? Oui, ça va. Pourquoi? C'était quoi tout ça? Vous savez, quand une porte est mal fermée, les courants d'air, ça va vite. Vous voulez pas continuer? Non, c'est bon, très peu pour moi là. Vous êtes des pauvres froussards en fait. Mais t'es complètement folle. C'était marrant? Marrant. Écoute, moi je reste pas là, je pars avec Jacques. Salut. When it started happening, I'd see you in every thought I had, and then the thoughts only found words. I want you so bad. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you.
Je sais pas ce qui a pu se passer. Je crois qu'on a foiré quelque chose. Léa nous attend de l'autre côté. Dans le champ. Ah d'accord. Côté, et on va se paumer là-dedans. Mais non. C'est impossible d'en sortir. Et comment on en rentre déjà? Pourquoi on va là-bas? Ouais déjà. Bon, on y va. Ouais.
Léa. T'as peur? Attends, mais tu peux... Aïe! Lucie! 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 Marie! Ça va? T'en as mis du temps. Ah, ouais. T'es où? Il manque Marc et Lucie. Ah bon? Où? Je sais pas. Je vais les chercher. Ah, t'es là. Faut faire un truc pour Léa. Ça va plus du tout. Elle a pété un plomb hier. J'y avais déjà pensé, mais faudrait que tu le fasses seul en fait. Comment ça? Je suis pas la seule médium dans ma famille. Ma grand-mère, elle l'est aussi. C'est d'elle dont je tiens mon nom. Ben, viens avec moi. Elle refuse de me voir depuis ma naissance. Elle dit que j'ai le mal en moi. Faudrait que t'ailles chez elle demain. Maman a dit qu'elle sortait plus. C'est la seule chance qui reste à Léa. Ok. Alors, tu as fait quoi? On a besoin de votre aide. Qu'est-ce que tu veux dire, Pam? Elle a changé du tout au tout. Elle devient méchante, elle ne nous parle plus. Elle devient vraiment bizarre. Est-ce que vous avez perdu quelque chose de personnel? Le plus touché. On a besoin de votre aide. Il faut qu'on exercice mon mari. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que il y a déjà Marine qui a commencé tout ça. Et je ne peux rien faire. On ne peut pas avoir deux médiums qui s'occupent d'une personne. Il faut qu'il marie et il fait quelque chose pour Léa. Ce n'est pas moi qui va faire quelque chose pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Amen. 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 Am
my body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. L'exorcisme reste le rituel le plus difficile à accomplir. Il prouve que l'esprit est plus fort que la matière. Toutefois, l'esprit est confronté à ce qui correspond au mal, l'âme déchue, qui incarne les trois vices, l'envie, l'orgueil et la colère, ses maîtres mots. C'est pour cela que tout exorcisme comprend des risques qu'il ne faut surtout pas délaisser. Un exorcisme raté ne permettra pas de faire revenir l'âme première d'un corps si le mauvais esprit s'en va sans mal. Une fois en liberté, l'esprit n'a d'autre choix que de chercher un nouveau corps capable de l'accueillir. Ce corps sera le plus souvent celui qui habite un esprit faible ou un esprit dont le mal en personne l'a bercé depuis la naissance. Action. Léa ? Léa, ça va ? Je suis derrière la caméra ! C'est bon ? Attends. Quand vous regardez Marie, il faut que je fasse moi, la trisomie qui écrit. C'est ça? Non mais arrêtez, rigolez pas, c'est vrai quoi. Il y a trois rêves que je visite. Paris. Et puis le risque qu'un jour nos corps en manque d'alcool viennent se déposer sur le sol. Comme ils sont beaux les rêves d'hier. Oubliez-la dans la poussière. Sous un prétexte de temps qui passe, on laisse le vent prendre leur place. C'est pas la faute des océans si les hommes plongent leurs rêves dedans. À force de croire à l'invisible, souvent les miens se trompent de cible. C'est pas la faute des océans si les hommes plongent leurs rêves dedans. À force de croire à l'invisible, souvent les miens se trompent de cible. J'ai peur des ciels sans horizon, que mes bras deviennent ta prison. J'ai peur que sur le cri des autres, on écorne un peu trop le nôtre. La
s'il peut prendre une espèce du miel. Et le monde change en rêve cruel. N'oublie jamais les premières ailes. Souviens-toi du bout de sa peau. Je visite ta peau de mort, et puis le risque. C'était la dernière scène de Benjamin et Marc. Bravo! Bon, oui, c'est aussi encore crâne. C'est hein. Ce qu'ils font à chaque fois, on a chaque fois dans le coin. Tu tournes là? Non! Tu peux.